Gentlemen, what we've heard so far, Monsieur le Président, de ce que nous avons entendu jusqu'à présent, est-ce que vous êtes satisfait de la session de ce matin? Ah ben, bien sûr. Je crois que c'est fantastique que à travers cette activité, nous sommes en train de présenter cette question très importante au programme, à l'ordre du jour. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire si nous travaillons conjointement. Bien entendu, il y a plusieurs défis, ça se comprend. C'est presque une question invisible. Il y a trop de personnes qui souffrent en silence. Il est difficile de mesurer. Et notre approche moderne vis-à-vis de la santé, vraiment, c'est ça. Alors, c'est un défi, comme vous le voyez, mais je crois qu'il y a des façons très claires comment nous pouvons adresser ça. L'une des choses les plus indispensables, c'est d'assurer que nous capturons les expériences et l'expertise de ceux qui s'y connaissent le plus au sujet de la douleur. Et c'est les patients, c'est eux qui savent plus que nous, parce que c'est eux qui sont en train de souffrir. Et lorsque nous arrivons au point d'optimiser nos efforts en fin de recherche, comment on pourrait mieux discuter, décrire les résultats, je crois que c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc, c'est parfait. Ah bon? Voilà. Bien entendu, je vous regarde toujours à vous. Voilà. On peut donner aux patients la possibilité de se faire entendre, non seulement parler à leur sujet, mais parler avec eux. Merci de vous joindre à nous, monsieur. Alors, c'est le patient qui s'y connaît le plus, n'est-ce pas? Chris, à vous. Merci, Martin, parce que vraiment, vous avez parler au sujet de ce que nous avions dit en 2001, ne souffrez pas en silence. Et bien sûr, vous ne devrez pas seulement souffrir, nous avons dit aux patients, mais vous devrez nous dire ce que vous sentez afin que nous puissions vous aider davantage. Qu'est-ce que vous y attendez? Voilà, vous avez 70 ans. Bon, d'accord, c'est moi qui ai 70 ans cette année, alors je comprends très bien. Je veux qu'on étudie ça très bien. Il faut se concentrer, bien entendu, sur, et ça aussi, le coût, n'est-ce pas? 34 milliards par an. Non, on ne peut pas se le permettre, vous le comprenez bien, ça. Mais si nous partageons les meilleures pratiques, là, alors on peut peut-être épargner de l'argent à l'Union européenne. Je crois que c'est quelque chose de très important et d'apporter, de reprendre chez vous, enfin. Voilà, c'est pas qu'on demande un chèque blanc, là. Non. Mais comme vous avez dit, oui, c'est vrai, les chiffres sont importants afin de pouvoir continuer à avancer, afin de donner aux politiciens les perspectives. C'est pas seulement au sujet de la douleur, mais ça a un impact primordial sur tout le reste. Yup. Si vous parlez de l'impact sur la douleur, et ensuite, quelles sont les meilleures pratiques et comment ça se mesure et s'équilibre en argent, eh bien, mais quelque part en Autriche ou quelque part en Roumanie, voilà, il y a des personnes qui sont assises à la maison, pleines de douleurs, sans relations publiques, sans emploi. Et voilà, si vous parlez de meilleures pratiques, donc il faut parler au sujet de meilleures pratiques qui sont vraiment les meilleures pratiques pour les patients. Et pas pour les docteurs. Excusez-moi de parler comme ça, mais naturellement, les meilleures pratiques pour les docteurs, parce que c'est toujours ce qui donne le meilleur résultat suite au traitement. Je crois donc que ça serait la chose principale qu'il faut mettre sur la plateforme. Je m'adresse aux personnes ici présentes. Veuillez avoir la gentillesse d'envoyer votre impact, d'envoyer votre expérience afin que nous puissions travailler conjointement pour mieux traiter les patients. Voilà. Et de là, je crois qu'on peut maintenir les coûts très bas. Martin, vous avez dit avant qu'il faut générer plus d'évidence pour ceux qui prennent les décisions, si on veut focaliser sur ce point. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui manque à présent?
Pensez-vous que nous, comme plateforme de multiparties prenantes, on pourrait présenter à la Commission afin de pouvoir avancer à partir de là? Ben, bien sûr. Ben, on dit que ce qui ne se mesure pas ne se fait pas. Voilà, le policy making, c'est quelque chose qu'il faut baser sur l'évidence. Nous faisons des études, nous validons pendant des années différentes, nous avons des chiffres en résultats, enfin. Et ça prend si longtemps que parfois ça devient des données historiques, quoi. Ça ne doit pas être la seule façon. C'est pour ça que je l'ai dit avant, il y a beaucoup de sources d'évidence qui n'ont pas été étudiées. Tout d'abord, les patients eux-mêmes, voilà, et ceux qui sont proches à eux. Si vous parlez des résultats, eux peuvent vous dire beaucoup au sujet de ça, qui ont eu de succès ou bien pas. Et ce sont des informations très importantes. Voilà, vous devez avoir ce feedback. Si vous faites des recherches, un docteur voudrait optimiser son travail, et donc il a besoin de ces informations. Secondo, comment travailler sur la voie de temps réel, vraiment. Mais aussi des outils, par exemple, de tous les jours. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir une application à travers laquelle je pourrais passer mes expériences à mon docteur, à mon médecin? Ça peut se faire vraiment à partir du confort de votre propre foyer. Ça se fait, c'est possible. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'on a besoin de standardiser ça, d'organiser ça, enfin, et de le mettre à l'œuvre. Imaginez-vous si nous avions ça, ce que ça signifie, aider directement les efforts et les recherches afin de pouvoir améliorer les résultats, parce que vous avez les résultats positifs dès la source. Si vous allez pour une consultation de 15 minutes, le moment que vous travaillez, que vous mettez pied dans cette clinique, vous commencez à générer les données. Et combien de ça est-ce qu'on utilise de ces données enfin afin de pouvoir améliorer notre situation? Voilà, il y a tant de données qui est générées dans les hôpitaux, mais ça ne s'utilise pas systématiquement. Et pourquoi? Parce qu'il faut investir des milliards pour essayer de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tout simplement, je suis en train de simplifier, je sais, mais c'est le cœur du problème, enfin, dont il s'agit. Et l'une des choses qu'on voudrait faire dans le contexte numérique est aussi la question de communication sur la santé numérique, c'est exactement comment on pourrait puiser toutes les données et les avoir pour utiliser comme une ressource. Bah, très souvent, il n'y a pas besoin de savoir le nom des individus. Ils peuvent parler en anonymité. Et voilà, je crois que ça serait parfait. C'est quoi? Est-ce qu'il faut dire... C'est un processus, une procédure de... d'éducation, quoi. Est-ce qu'il faut dire aux patients ce que nous souhaitons de leur part ou bien quoi? Ben, c'est facile. De la part des patients, la perspective, naturellement, ça c'est très important, mais aussi même les professionnels. Comment est-ce qu'ils vont passer les informations? Parce qu'il y a aussi la protection des données. C'est un peu paradoxal. Vraiment, moi, ça m'intéresse toujours. D'un côté, nous avons le secteur médical utilise la technologie la plus avancée. Donc voilà, il n'y a pas de question là-dessus. Ensuite, ça s'écrit. Pour écrire une ordonnance, seulement un quart des références se fait électroniquement d'un docteur à l'autre dans les États membres de l'Union européenne. Vous devez aller avec votre ordonnance, un bout de papier là. Voilà l'impossibilité de gérer la polypharmacie.
D'ailleurs, parfois, il y a des médications multiples. Comment est-ce que vous réconciliez ça? Disons que, voilà, le patient va chez des docteurs différents. Comment est-ce et donne des ordonnances différentes, enfin. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le pharmacien? À chaque fois, il donne, au patient ce qui est écrit sur son ordonnance. Et donc, il faut changer ça. Ben voilà, c'est une bonne raison pourquoi le Royaume-Uni devrait rester dans l'Union européenne. Parce que, voilà, on fait tout sur l'ordinateur. Et ça peut être communiqué, donc, de façon numérique. Voilà, je ne sais pas, peut-être on se rapproche un peu pour y rester. Je ne sais pas. Qui vivra, verra. Mais les choses que vous avez dit sont vraiment intéressantes et importantes. Voilà, nous en avons 6 maintenant, des task force, voilà, qui travaillent là-dessus. Je crois que c'est quelque chose de très important aussi. Les patients sont en train de nous demander au sujet des cannabinoïdes, quoi alors? Oui, c'est vrai, il y a des difficultés, mais enfin, ça marche assez bien jusqu'à présent. Et nous essayons de partager les meilleures pratiques à travers l'Europe aussi. C'est quelque chose de très important. Ensuite, nous avons notre examen, c'est-à-dire d'essayer de enseigner aux docteurs, enfin, les meilleures pratiques. On espère qu'à l'avenir, nous allons voir en Europe, nous essayons d'éduquer, c'est-à-dire de cette façon, les docteurs, les médecins eux-mêmes. Et voilà pourquoi nous espérons pouvoir donner les meilleures pratiques, parce qu'il ne s'agit pas seulement question d'écrire des ordonnances. Nous croyons que si les docteurs ont une plus grande connaissance, et c'est quelque chose qui a résulté de la réunion de 2014, voilà, là, alors tout le monde saura exactement quelle est la bonne pratique. Ah, ça serait bien. Et puis, les associations des patients pourraient être impliquées dans ce programme d'éducation des docteurs aussi, parce que les patients peuvent aussi apprendre quelles sont les meilleures thérapies, n'est-ce pas? Ça pourrait bien être bien de les impliquer. Et voilà pourquoi nous avons des patients dans nos écoles. Et voilà, nous avons des orateurs aussi qui viennent nous visiter régulièrement dans les écoles. Voilà. Moi, je crois que c'est quelque chose de tout à fait important, parce que l'une des choses que je crois que beaucoup de professions devraient adresser, voilà, ce sont les compétences soft. Comment communiquer? Avant, les docteurs étaient très bien parce qu'ils devaient avoir beaucoup d'informations de la part des patients, simplement en leur serrant la main. Mais aujourd'hui, avec la technologie, je dis d'ailleurs à mon docteur, mais vous passez beaucoup plus de temps à regarder votre instrument qu'en me regardant et me consultant à moi. Et voilà, et on chahute là-dessus, enfin. Mais le docteur, enfin, l'infirmier, le physio, voilà, le psychologiste, le pharmacien ont tous un rôle important à jouer. Et voilà pourquoi, par exemple, si vous n'avez pas un record unique de toutes les données qui pourraient être accessibles à tous les acteurs dont il s'agit, vous ne pourrez pas faire ça parce que les soins multidisciplinaires, si je regarde mon dossier, par exemple, médical, voilà, dans mon cas, ça serait dans plus d'un pays. Et je suis sûre que c'est la même chose pour beaucoup d'entre vous. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un soin intégré dans un tel scénario? Donc, nous avons besoin d'utiliser les outils, pas seulement pour les outils. Ben non, la technologie ne me dit pas grand-chose. Mais ça existe et on peut s'en servir si on sait exactement ce que nous voulons changer. Voilà, il faut avoir un changement de transformation dans le secteur de la santé. Voilà, ça a été prouvé dans plusieurs cas, mais comme par exemple pour les maladies chroniques et la douleur, voilà, il y a des problèmes.
Les hôpitaux ne nous donnent pas beaucoup de bénéfices là-dessus, enfin, spécialement lorsqu'il y a la gestion à long terme. Donc, il faut aller aux soins intégrés, aider les personnes dans leur foyer, dans leur endroit, voilà, etc. Je voudrais saisir l'occasion aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? On a parlé du fait que cette réunion est au sujet de multi-parties prenantes, mais on n'a rien dit de la présence de l'assurance santé, parce que peut-être un traitement pour un patient pourrait être très coûteux et l'assurance santé ne couvre pas ça, ne rembourse pas un traitement qui est cher. Et parfois, ces excuses sont tout à fait ridicules. Et ça pourrait être le meilleur traitement, voilà, pour une grande proportion des malades, spécialement ceux qui sont les plus pauvres. Et il faut adresser ça avant que de nouveaux traitements soient recherchés et développés. Merci. D'ailleurs, c'est si important que nous avons un atelier de travail à ce sujet à Copenhague pour éduquer les docteurs et on espère quelques patients, on espère qu'ils y viendront, enfin. On sait exactement que c'est quelque chose qui est en train d'arriver, n'est-ce pas? Nous avons des lignes de guide, voilà, sur la douleur du dos inférieur et l'un des piliers, c'est ce qu'on devrait faire. Et voilà, les assureurs, mais les gouvernements locaux aussi, voient que ces traitements ne s'implémentent pas, enfin, parce qu'ils sont très coûteux. Voilà, on dit aux patients, vous devrez avoir ci, vous devrez avoir ça. Faites-le. Mais ensuite, vous avez une lettre des autorités de santé qui disent, c'est pas possible d'arriver à d'avoir ce traitement. Et ensuite, ils ne sont pas entraînés. Quoi faire? Oui, peut-être avec plus grande coopération avec l'Union européenne, on pourrait résoudre ce problème. C'est-à-dire, la question d'inégalité est peut-être le défi le plus sérieux auquel fait face l'Europe actuellement. C'est en train vraiment de déchirer le fabrique de politique. Donc, je dirais que voilà, et il y a une approche de comptabilité. Si nous oublions que le financement est un résultat de quelque chose qui est arrivé, plein de choses qui sont arrivées antérieurement, là, alors, voilà, c'est le résultat, si on ne prend pas ça en compte, c'est quelque chose qui résulte un échec. Bien, d'accord, il faut maintenir les finances en tête, oui, c'est vrai, mais on ne peut pas adresser les coûts en disant, par exemple, voilà, il faut limiter les traitements. Primo, vous avez parlé des compagnies d'assurance, elles devraient être très proactives. Voilà, en ce qui concerne la prévention et programmes d'intervention précoce. Aussi les ministères des Finances, si vous voulez réduire. On sait tous que la partie la plus coûteuse de tout le système de santé, c'est l'hôpital. L'hospitalisation, voilà, l'hôpital. Alors, c'est quelque chose qui doit être la logique très la prévention, les programmes d'intervention précoce, les soins primaires et de communauté, voilà. Il faut organiser ça parce que ça n'arrive pas parce que je n'ai pas mobilisé le potentiel en plein des professions différentes. Ça n'arrive pas. Ensuite, pour utiliser la technologie, voilà l'évaluation des technologies. Là aussi, nous avons
pensé avoir une consultation publique sur ça. Et en ce moment, nous sommes en train de faire une évaluation d'impact afin de voir ce qu'on peut faire au sujet d'une méthodologie scientifique pour faire une comparaison entre combien est-ce qu'on pourrait prendre, puiser de plus à coût minime. Donc, nous sommes en train de faire face à ce problème. Nous sommes en train de créer des inégalités parce que nous attendons trop pour intervenir. Si on devait intervenir de façon plus tôt, et voilà, je suis sûre que ça descendrait les coûts remarquablement. Je vous remercie infiniment. Et je le dis de mon cœur, vraiment, parce que c'est la meilleure chose que j'ai entendue de DG Samco. Vous essayez de rester dans les paramètres de votre mandat, bon, et vous déléguez ça très bien à vos gouvernements de l'Union européenne, mais vous avez trouvé des modalités pour pousser quelques-uns des gouvernements pour prendre des actions. Moi, je viens de la Roumanie. Vous avez mentionné deux choses. Pour moi, c'est fantastique, enfin. Les meilleures pratiques, bien entendu. Et c'est quelque chose que nous discutons depuis des années. L'harmonisation parmi les États membres, c'est quelque chose qui est très intelligent. Merci. Mais j'ai une question pour vous en ce qui concerne les profils pour tous les États membres de l'Union européenne. Vous avez parlé des opportunités. Est-ce que ces profils, est-ce que ces dossiers seront publics? Est-ce qu'ils seront revus de temps à autre? Et est-ce qu'il y a un délai? Parce que vous dites que vous allez évaluer la situation actuelle, n'est-ce pas? Et vous faites une liste aussi des opportunités pour l'amélioration. Non, je l'assume, ça, je le comprends. Je comprends que vous avez un certain délai aussi. Je dois vous dire que ces profils, ces dossiers pourraient être pour nous, ça pourrait être des outils très utiles. Parce qu'on peut aller chez notre gouvernement national et jusqu'à présent, si on n'a pas eu de preuves, maintenant, on peut nous référer exactement à quelque chose de concret. Je vous remercie infiniment. Voilà l'objectif, madame. Oui, les profils, les dossiers seront publics. Toutes ces informations, pas seulement les profils, les dossiers, mais aussi les données, enfin, dont il s'agit. Et on doit nous assurer que ceci soit fait de haute qualité. Enfin, nous travaillons avec l'OCDE aussi et l'Organisation mondiale de la santé et, afin de nous assurer que ce n'est pas seulement la Commission qui parle. Ça sera vraiment une analyse factuelle et objective des experts. Ensuite, nous allons présenter ces résultats aux États membres. Ce n'est pas la Commission qui passe un jugement sur les États membres. On n'est pas là pour dire cet État membre est mieux que l'autre. Non, absolument pas. Mais on veut stimuler la prise de décision nationale parce que nous savons très bien que la plupart des décisions sont prises de façon à niveau national et bien régional. Alors, comment est-ce que vous pouvez approprier ça de façon qui est appropriée, enfin, à la prise de décision? Voilà, par exemple, à niveau européen, et on peut travailler conjointement, les États membres, c'est-à-dire pour résoudre certains problèmes ensemble. Chaque deux ans, donc, nous allons présenter des rapports des pays. Et chaque deux ans, donc, voilà, nous allons viser à des questions différentes et on verra où nous avons besoin de changer quelque chose, d'améliorer, enfin, de renforcer. C'est seulement des recommandations. Enfin, il y aura le lien
il y aura le lien, c'est-à-dire entre ce que fait l'Europe et la politique nationale. Très souvent, nous avons passé beaucoup de temps à dire, à se demander, mais c'est qui devrait prendre cette décision? C'est qui devrait faire ces recherches? Le gouvernement national ou bien l'Union européenne? Les gouvernements ont leurs instruments, voilà. L'Union européenne a ses instruments. Et si nous travaillons conjointement là-dessus et nous partageons les outils, là, alors, on n'est pas absolument pas. L'Europe n'est pas en compétition, en concurrence avec les différents pays. Nous sommes là pour soutenir les pays et on essaye d'identifier les meilleures façons pour faire cela, c'est-à-dire s'assurer qu'avoir une bonne évidence pour travailler là-dessus. Alors, je viens de l'université de Heidelberg en Allemagne. Vous avez dit plusieurs fois qu'afin de comprendre la douleur, il faut parler aux patients. Voilà, une fois, au sujet, il y a eu une réunion au sujet des... et voilà, un oncologue a parlé de ça d'ailleurs. Et il a dit exactement la même chose. Aussi, je suis très content de voir que vous avez advoqué l'utilisation de données. Voilà, c'est quelque chose de très important parce que tel que ça existe en ce moment, c'est un calcul très simple, mais il n'y a pas assez de personnes sur cette planète pour faire toutes les études dont nous avons besoin. Malheureusement, les méthodes ne sont pas très bonnes. Et en Allemagne, le journal médical des associations médicales, voilà, ne donne pas assez d'informations à ce sujet pour prendre des décisions. C'est-à-dire que les études qu'ils ont faites, ben, c'était très bien, mais c'était pas assez afin d'arriver à l'État, enfin, pour pouvoir travailler là-dessus et prendre des décisions. Est-ce que vous avez des programmes déjà établis pour faciliter le développement des méthodes ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez initier? Ben oui. Nous travaillons déjà sur, par exemple, la zone de l'HTA. Depuis plusieurs années, nous avons une coopération, une collaboration entre les experts des États membres, des organes nationaux de, voilà, de l'NHTA, voilà, et aussi non seulement de présenter et d'avoir des informations, mais nous sommes en train de travailler là-dessus et de développer les informations qu'on nous donne. Voilà. En ce moment, nous sommes en train d'identifier les facteurs qui arrivent quelquefois à une certaine difficulté pour passer ce qui a été fait de l'HDA dans d'autres contextes. Alors, nous sommes en train d'étudier ça et nous regardons aussi la collection de données, l'évaluation clinique, il y a des diverses méthodologies pour ça, mais aussi l'évaluation sociale, socio-économique. Voilà, nous avons besoin aussi, nous avons eu des expériences, voilà, au sujet des registres cancérogènes, mais l'approche européenne est quelque chose de louche encore. Ben, il faut dire que nous avons vraiment les moyens et la possibilité d'utiliser les données. Par exemple, nous pouvons réévaluer voilà, ces approches périodiquement et régulièrement. Voilà, on peut vérifier pour voir si les résultats étaient vraiment ce qu'on pensait qu'ils aient été, enfin. Ensuite, on peut avoir accès à ces données et comparer les données différentes, voilà. Ça, c'est quelque chose de très bien parce que ça renforce notre situation, parce qu'on peut optimiser grâce à cet échange de données, voilà, voilà la situation. Vous ne pouvez pas comparer des choses qui ne sont incomparables. Mais voilà, qu'est-ce que nous sommes en train de mesurer vraiment? Parce que ça fait une grande différence. Ce que vous voulez optimiser dans le traitement,
Donc le potentiel de ça est énorme. L'Europe a 400 millions de citoyens et encore plus. Si nous avions, et voilà, c'est un message constant que nous avons de la part des chercheurs, de l'industrie, etc., si on peut établir un système vraiment auquel on peut s'en tenir, voilà, de façon cohérente, on serait vraiment en situation primordiale en ce qui concerne l'innovation et l'amélioration de nos systèmes de santé. On ne peut pas le faire parce qu'on est trop fragmenté actuellement. Oh, il ne s'agit pas de l'Europe premier, les États membres, non. Mais si les États membres travaillent ensemble, conjointement, à niveau européen, voilà, ça serait parfait. J'ai beaucoup à dire. Je vous remercie de tout ce que vous avez dit. C'était très encourageant. De la part de 20% de la population des patients, je dois dire que c'est fantastique d'être ici. Nous avons beaucoup discuté et nous aurons encore davantage. Mais par exemple, comme la réunion de Copenhague dont vous avez parlé, vous avez besoin des patients là-bas, mais on n'a pas tous les moyens d'arriver à ces réunions et on a besoin d'être là. Voilà donc, voilà, c'est une prière de la part de tous les représentants des patients ici. C'est plutôt une question pratique que logistique. Voilà, Chris, c'est pour vous. Oui. Alors, nous parlons de douleur, bien entendu, c'est très important, et nous parlons des recherches aussi. Les choses négatives de la recherche, c'est que changer la focalisation, le focus sur la douleur. La douleur interrompt, voilà, interrompt l'emploi, le travail. Des recherches futures doivent prendre toutes ces fonctions en considération. Vraiment, nous avons... En octobre, nous aurons une réunion au sujet de la recherche à Londres en octobre. Et voilà, vous avez un chiffre. Lorsque vous avez un chiffre et vous jouez avec les chiffres, voilà, alors c'est plus facile. Mais lorsqu'il y a des disabilités différentes, comment évaluer les disabilités dans des patients différents? Voilà, les scientifiques, tourne la tête. Mais on revient à la question, comment est-ce qu'on pourrait soutenir, comment on pourrait participer à ces ateliers de travail, si nous n'avons pas les moyens, c'est-à-dire. Ben, ils peuvent venir à Copenhague, ils peuvent participer, mais non, ce n'était pas la question. Si on n'a pas les moyens pour le faire, il faut penser à ça aussi, n'est-ce pas? Il faut leur donner la possibilité, non seulement les inviter tout simplement. Je vous ai bien compris, n'est-ce pas? L'invitation, c'est une chose. Mais pouvoir y venir, ben alors...